Salut, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce rêve, enfin ce cauchemar. Vous êtes dans une voiture, à la place du conducteur, et quoi que vous fassiez, ça ne change rien. Le volant ne fait rien. Eh bien sachez que cette nuit-là, vous avez approché de très près la conduite d'un train. Car un train n'a pas de volant. Pire, le conducteur ne décide pas de la direction qu'il va suivre. Comment ça fonctionne alors? Et c'est quoi conduire un train du coup? Et comment il tourne sans volant? Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Embarquons dans ce monde étrange où conduire n'a rien à voir avec choisir. Mais c'est faux, j'ai vu les trains ont des volants. Normalement, je vais avoir ce type de commentaires en pas mal d'exemplaires. Alors oui Kevin, il y a parfois un volant, mais il ne sert pas à tourner les roues. D'ailleurs, ces roues n'ont pas de liberté de mouvement latéral. Elles ne peuvent pas pivoter. Train et rail sont un couple à vie. Le train est obligé de suivre les rails. Car une roue n'est pas juste une surface qui roule sur le rail. Non, c'est une forme spécifique où une butée vient empêcher le mouvement latéral. Le boudin, c'est son nom, est une sorte de renflement de la roue. Il est sur la face interne de la roue. Sur la roue gauche, il est à droite. Et vice versa. Du coup, la roue gauche ne peut pas aller plus à gauche que le rail à cause de son boudin. Et vice-versa pour la roue droite. Ne pouvant aller ni à droite ni à gauche, le train reste sur les rails et ne peut que les suivre. Du coup, pourquoi on aurait été mettre un volant à quelque chose qui ne pourra que suivre les rails? Aussi non, pas de direction, pas de volant à bord d'un train. Mais là, Kevin revient à la charge avec son volant. Alors oui, il y a bien un truc dans les vieux trains, en cabine, qui est circulaire et que le conducteur manipule pour conduire. Mais c'est pour accélérer ou freiner. Bon, sachez qu'on vient de perdre Kevin. Car oui, le volant d'une locomotive est en fait un manipulateur de traction, qui remplace la pédale d'accélérateur de votre voiture et pilote le système de frein électrique. On appelle ça un cerclot. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le freinage d'un train, hop, lien en haut à droite vers la vidéo dédiée. Ce système est simple quand on a une seule voie et une gare de chaque bout. Le train fait alors du fer à repasser entre les deux. Instant explication vocabulaire, faire du fer à repasser, pour un conducteur, c'est aller et venir sur une même ligne, et ça, plein de fois dans la journée. C'est passionnant comme utiliser un fer à repasser. Bon, fin de l'instant vocabulaire. Là où ça va se compliquer, c'est quand on va avoir plusieurs voies de plusieurs directions qui vont arriver sur un même endroit. Soit on fait une gare par voie et par train, mais ça risque de coûter un poil cher. Soit on mutualise les voies. Plein de voies arrivent dans une même gare et les trains s'y arrêtent, chacun leur tour. C'est le même principe qu'une station-service par exemple. Il n'y a pas une pompe par voiture qu'il y a sur la route, mais en attendant chacun son tour, on arrive tous à avoir du carburant. Sauf qu'on a dit que le train suivait obligatoirement les rails. Et le rail, c'est pas le truc le plus souple du monde. Le rail, c'est un mec droit, qui n'accepte de se courber que quand on lui parle gentiment et calmement. Sauf que dans notre entrée de gare, on a besoin que les voies se séparent ou se rejoignent, et ça, pas en étalant l'affaire sur 20 km. C'est là qu'interviennent les aiguillages. Ces trucs-là, c'est de la magie. On a des rails rigides au possible, qu'on veut diviser ou se faire rejoindre, et bien les aiguillages vont permettre ça, à l'aide de lames fines et mobiles. Leur finesse permet une certaine souplesse, relative. Et leur mobilité permet de les faire basculer d'une direction à l'autre. Alors, petit schéma. Deux voies d'un côté, une de l'autre. J'arrive de la voie seule et je veux aller une fois à droite, une fois à gauche. Le train suivra obligatoirement le rail. Donc ce n'est pas le train que je dois faire tourner, mais le rail. Cette lame mobile devient le rail. Aussi suivant comment je le place, le train le suivra. C'est un peu comme si sur la route, votre voiture était obligée de suivre la route. Pour la faire tourner, on fait tourner la route. Si j'oriente les rails vers la gauche, le train ira obligatoirement à gauche et inversement pour l'autre côté. Bon, là c'est la version simple avec deux directions. Maintenant, rajoutons plusieurs directions, certaines se rejoignent, d'autres se divisent, d'autres ne font que se croiser et ça en toute sécurité. Bah ça donne ça, un capharnaüm de voix. Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je parlais trop vite, que je parlais trop et que je ne faisais pas assez de pause. Alors prenons un petit temps pour digérer toutes ces informations. Non mais là, tu peux parler, j'ai coupé le micro. Non, bah là, j'attends bêtement, là, c'est la pause digestion. J'aurais mis une pub en fond, ça va les occuper.
Bon, après, il y en a encore qui vont mettre en commentaire que du coup, je joue la montre, mais bon. Ouais, et puis, il faut que je trouve un titre à cette vidéo-là. J'hésite à faire un titre sous forme de question, car à chaque fois, il y a tout un tas de mecs qui pensent qu'il faut répondre à la question en commentaire. Et en plus, bien souvent, ils répondent n'importe quoi, vu qu'ils ne regardent pas la vidéo avant. Je sais pas, commenter sans regarder la vidéo, ça doit être un concept. Ou alors, je fais un titre en question, mais sans le point d'interrogation. Tu vois, genre une fausse piste. Hein ? Ça fait plus une question du coup ? Ouais, t'as raison, c'est con. Oups, il y a la pub qui se termine. Bon, bah faut que je te laisse. J'y retourne. Allez, salut ! Et voilà, fin de la pause. J'espère que cette interlude sans le son de ma voix vous a fait du bien. On reprend. Jusque-là, ça va. Vous me suivez ? Bon, on continue. Sachant que le train ne pourra que suivre les rails, et que ce sont donc eux qu'on fait bouger pour changer la direction du train. Qui a le volant du train ? Eh bien, celui ou celle qui commande les rails, le gestionnaire du réseau. En France, c'est SNCF Réseau. Les autres pays ont leur gestionnaire. Mais en principe, il est unique, car il faut une gestion globale pour pas que ça se termine en catastrophe ferroviaire et ou économique. Au début du chemin de fer, et encore aujourd'hui, dans les toutes petites gares, ce sont des agents, à pied d'œuvre, au pied de l'aiguille, qui vont la basculer d'un côté et de l'autre. Mais forcément, ce genre de système est ingérable avec une grande gare. Donc très vite, on a fait des postes de circulation par zone. Le poste A gère les itinéraires de la zone A, le poste B dans la zone B, le poste C, enfin, vous avez compris le principe. Vous les avez certainement vus, ces postes. Il y en avait partout le long du réseau. Évidemment, il y en avait beaucoup, car ils étaient manuels, donc ils ne pouvaient pas gérer de vastes zones. Les commandes se faisaient de manière déportée. Chaque levier venait tirer des câbles, et à l'autre bout du câble, les aiguilles. Avant l'électronique, c'était des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, avec des enclenchements mécaniques. Le but était, et est toujours, d'interdire certaines manips dans telle ou telle configuration, afin que deux trains ne se rencontrent jamais. Même si l'agent aux manettes se trompe, le système lui interdira. De nos jours, on a gardé la philosophie, mais on a modernisé les commandes. Post-informatisées, puis décentralisées, on commande aujourd'hui par ordinateur des itinéraires sur de très longues distances. Pourtant, on trouve encore de tout comme type de poste, car c'est ultra complexe à changer et coûte énormément cher. On priorise donc les grandes gares, celles qui sont le plus importantes sur le réseau. Donc il existe encore des postes où des gens font des aiguilles à la main, d'autres où ils tournent des boutons, d'autres encore où ils cliquent. Et bien tout cela font tous le même métier, mais pas avec les mêmes outils. Vous avez donc à présent compris que le conducteur d'un train ne commande pas sa direction. J'expliquerai une autre fois ce qu'il fait, car ce serait trop long ici et un peu hors sujet. On va donc juste se pencher sur ce qu'il fait côté direction, car s'il ne commande rien, il a tout de même un rôle. En train, on a toujours besoin d'anticiper, car un train, c'est très compliqué à arrêter. Aussi, en cas de changement de direction, le conducteur en sera avisé par les signaux à l'avance. On va lui dire « Dans 2 km, tu vas changer de direction, attention, tu dois baisser ta vitesse à X km/h. » Et plus loin, voilà, c'est maintenant que tu changes. Car oui, comme en voiture, on ne prendra pas un virage à fond, et il faudra donc abaisser la vitesse en fonction du virage. Et chez nous, les virages ne se font pas en fonction de la direction, mais du résultat attendu. Si on veut que le train perde le minimum de temps à prendre ce virage, on le fera le plus doux possible. Mais douceur va rimer avec prix. Plus le virage est doux, plus il est long. Et plus il est long, plus il est cher. Car ça donne des aiguillages surdimensionnés. Donc on gardera les virages doux aux lignes où ça roule vite et où il y a beaucoup de trains. Alors revenons à notre train et au message de direction à l'intention du conducteur. Forcément, on ne va pas écrire en texte avec une pancarte sur le côté, car ça serait trop long et impossible à lire en roulant. Aussi, on va utiliser des codes lumineux. Et si le train roule très très vite, genre TGV, on lui donnera ses indications en cabine, car il roule trop vite pour avoir le temps de les voir en extérieur. Et le rôle du conducteur sera donc de vérifier qu'il est bien dirigé et de se mettre en capacité de prendre ce virage, c'est-à-dire régler sa vitesse à la bonne vitesse, au bon endroit. Le conducteur doit donc connaître l'ensemble des changements de vitesse en fonction des changements de direction qu'il va prendre et ça, sur tout le parcours qu'il va accomplir.
Imaginez, vous êtes en voiture, vous faites un trajet Nantes-Strasbourg. Eh bien, si ça avait été en train et que vous aviez été conducteur, vous auriez dû connaître à l'avance l'ensemble des changements de direction, l'ensemble des bretelles que vous allez prendre et l'ensemble des vitesses qui y correspondent. Car pour contrôler, il faut connaître. Le contrôle de direction est un truc hyper important, car n'oublions pas que derrière les leviers ou les clics, ce sont des humains qui dirigent, et une erreur est toujours possible. Tant que ce tracé est sécuritaire, le système ne le bloquera pas. Donc un train peut se retrouver dirigé vers A, alors qu'il devait aller vers B. Et là, c'est la grosse cata. Car faire revenir un train sur le bon itinéraire est tout sauf simple. Il n'y a pas de volant, pas de roue mobile, donc pas de manœuvre et de demi-tour possible. Donc ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Il faudra soit le faire revenir avant le changement de direction, soit le faire continuer jusqu'à où il pourra, car derrière il y a d'autres trains qui poussent. Enfin, qui poussent et ça bouchonne quoi. Aussi, le fait de prévenir à l'avance d'un changement de direction, ça sert à ça aussi. Permettre, en cas d'erreur, au conducteur d'arrêter son train avant le fameux point où on lui dit « voilà, c'est maintenant que tu changes ». Donc d'un coup, on passe d'une distance nécessaire à diminuer sa vitesse en fonction de l'aiguille et du virage, à celle nécessaire à ce que le train s'arrête au cas où l'indication n'est pas bonne. Partant de tous ces principes, vous comprendrez qu'un conducteur de train ne peut pas savoir, en approchant d'une gare, s'il va être reçu voie 1, voie 17 ou voie 25, car lui, il sait juste qu'il doit aller en gare de A. Alors bien entendu, on sait à l'avance où on va mettre le train. Mais entre son départ et son arrivée, il a pu se passer mille choses sur d'autres trains, qui font qu'on a été obligé de dévoyer, c'est-à-dire changer l'emplacement prévu d'un train en gare. C'est aussi pour ça qu'en France, on ne connaît sa voie de départ que 20 minutes, maxi, avant le départ, et pas deux mois avant. D'autres pays misent sur le fait qu'au pire, ils aviseront le client si ça change. En France, on fait le choix inverse. On mise sur le fait que tout peut arriver et que quand 500 personnes doivent brutalement changer de quai, c'est rapidement le chaos en gare avec des risques d'accident à la clé. Donc on prévient de la voie 20 minutes avant, pas plus. Voilà, vous savez à peu près tout sur le comment tourne un train. Non, je déconne. Vous en savez un tout petit bout, mais c'est suffisant pour comprendre. Pour finir, pêle-mêle quelques anecdotes. L'hiver, un des points sensibles du chemin de fer, c'est justement ces aiguillages, car comme on l'a vu, c'est au millimètre quand la lame de l'aiguille vient se coller au rail. Rajoutez là-dessus un peu d'humidité et le froid hivernal et bim, l'aiguille est collée. On a beau la commander, elle ne bascule plus, car de la glace s'est formée entre la lame et le rail. Et la glace, ça colle. Pour lutter contre ça, en France, on a des réchauffeurs d'aiguilles, qui fonctionnent soit à gaz, soit à l'élec. Les ricains, eux, ont aussi ce genre de système. Mais si chez nous c'est assez discret, eux font ça façon Hollywood. Du coup, ça donne de très belles photos façon Train des Enfers. Même là, même sans le vouloir, ils donnent dans le spectacle. Autre point, on a vu plusieurs fois des articles de presse soulignant la vivacité d'un conducteur de train qui, constatant la présence d'un obstacle sur la voie, changea brusquement pour l'éviter. Vous savez maintenant que c'est impossible, mais c'était drôle. Dernier point, les aiguillages sont fonction des rails et donc des trains. Alors qu'en est-il pour les trains un peu spéciaux? Allez hop, on regarde ça. La version maglev. Le train à sustentation magnétique. Là, c'est du lourd, car c'est toute la voie qu'il faut faire bouger, et pas juste une lame d'aiguille. Alors oui, un jour, je parlerai du maglev, de cette technologie qui fascine, mais qui en même temps pose bien des questions. Alors un jour, mais pas aujourd'hui. Passons maintenant à un autre train, et donc un autre aiguillage, celui des trains à crémaillère. Ces trains sont mus par un engrenage qui se situe sous la caisse et leur permet de franchir des rampes et des pentes que le train normal ne pourrait pas. Cet engrenage sous le train vient s'appuyer sur un rail denté posé au sol. Aussi, quand on veut faire un aiguillage, ça donne parfois des choses assez complexes. La version monorail. Ici, le train n'est guidé que par un seul rail. Il est central et forcément ne ressemble pas trop au rail qu'on connaît. Il est beaucoup plus gros. Personnellement, je trouve ces aiguillages hypnotiques. Et voici
le train avec l'aiguillage sans doute le plus simple au monde. Bon, eh bien là, je crois qu'on ne trouvera pas mieux comme train, ni comme aiguillage. Alors, à bientôt et tchou tchou.